Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Heart of Iron 4 avec l'Union Soviétique. Nous sommes au 8ème épisode de notre campagne avec cet empire, ouais, avec cette faction. Dans les épisodes précédents, nous avions déjà conquis et récupéré tous les territoires qu'on pouvait revendiquer, hein. En plus d'avoir récupéré l'Irak et l'Iran au tout début de la campagne. Nous avions récupéré déjà ce territoire là. Et précédemment, nous avions lancé énormément dans la recherche, nous étions énormément concentrés pour moderniser notre armée et nous préparer massivement à la guerre. Nous modernisions nos chasseurs pour avoir l'intégralité des Yags prêts au combat. 5000 Yags. Nous avons bientôt remplacé nos 5000 Iyoshi 16 par des Yags 3. Enfin, par des Yags 3. Au niveau des chars, nous avions commencé à remplacer tous nos BT-7 par des T-44 Mark 1. Et maintenant, au niveau militaire, on allait bientôt déployer une première unité d'infanterie de marine pour justement nous préparer aux invasions de différents pays par des invasions navales, justement. Et une bien évidente constatation en tant qu'observateur que l'Axe commençait à un peu à prendre initiative partout, ils commençaient un peu à écraser l'île Maginot, ils commençaient à s'approcher de plus en plus de Paris, ils arrivaient à repousser débarquement. Et Yougoslavie n'a pas fait long feu, l'Italie contre Turissi, le Japon avance lentement mais sûrement. Le Siam s'est fait envahir d'ailleurs. Ici nous avons une nouvelle ligne d'infanterie de marine. Qui vont avoir un droit à la reconnaissance d'ailleurs. Normalement il doit en avoir 24, voilà. Donc ici on va produire une brigade d'infanterie de marine à Leningrad. Une brigade complète hein, d'infanterie de marine. Et ce que je vous expliquais, ce sera les divisions qui seront importantes pour les débarquements à venir. Nous n'avions plus le choix, on nous a forcé la main. 4 usines civiles et 5 usines militaires. C'est bien de tout savoir ça. Bon, les Allemands sont en train de fermer la poche de la ligne Maginot. Ils mettent quand même toujours du temps quand même à capturer la France. Malgré que j'ai supprimé les 10%, enfin les forts de niveau 10 ici. Ils n'ont pas réussi à prendre rapidement Paris quoi. Enfin bon, nous on a déjà nos problèmes, on doit déjà réussir à régler nos pénuries d'armement, réussir peut-être à essayer de remplacer nos armes, hein, parce que il faut encore remplacer 123 000 armes dans la ligne de front. Donc autant vous dire que ça va prendre un peu de... Mince! J'ai pas entraîné la bonne. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. J'ai entraîné les divisions alpines. Bon, je sais pas comment on dit marine en japonais, donc en russe, donc je vais pas mettre le nom qui va avec quoi. Des recherches navales, autant que prendre quoi. Faudra bien que je développe des nouveaux sous-marins quoi. Faudra bien que je me lance un peu dedans d'ailleurs. L'armée là est totalement entraînée. Celle-ci on va l'entraîner. Ça nous fera de l'expérience. Celle-ci on va l'entraîner aussi. L'armée du général Konev. Celle des Pays-Baltes aussi est pas entièrement à 100%. Ils ont maintenant toutes mes armées doivent être. Je vois tous ces entraînés pour qu'ils soient à 100%. Faut qu'on ait de l'expérience en plus là-haut. J'ai quand même fait une erreur, j'aurais dû attendre plus longtemps. Enfin, j'aurais dû faire ça plutôt. J'aurais dû faire ça avant que maintenant, parce que maintenant, on est quand même en 41, la guerre se rapproche de plus en plus. Faut que mes troupes soient quand même. Annexion de Titanou, tout va. Parlement, tout va officiellement demander aux Soviets suprêmes d'intégrer l'Union Soviétique qui sera organisée sous forme. De l'as autonome de Tuva au sein de la République Socialiste Fédérative Soviétique. Union Soviétique, annexe de Tuva, annexion de Tuva.
Et on perd de l'industrie, vous voyez. 3 usines militaires, 2 usines civiles. Ah, on a encore perdu de... Bon bah réalisme socialiste, tous les œuvres d'art doivent avoir dans but tactique d'incarner les dessins du sens du communisme en déteignant le prolétariat dans les scènes réalistes et représentatives de la vie quotidienne. Les soviétiques sont les ingénieurs de... Alors on va faire ça. Toc ici, bah, on va voir Rocky de Tungsten, je parie. C'est ça. On n'a pas gagné beaucoup d'usines, je suis triste. J'aurais pensé qu'on aurait avoir eu plus d'usines. Dans la communauté de presse diffusée plus tôt dans la journée, Moscou annonce un annexe où tout va, le Parlement tout va officiellement demander au Soviet suprême d'intégrer l'Union République Socialiste Soviétique. La partie de la République populaire de Tanutova, que seule l'Union Soviétique à Mongolie a officiellement reconnue, sera organisée en oblast autonome. Les... Bon, les Japonais avancent depuis ici. Ça... Voilà. Donc le Reich allemand continue là-bas. Ici, bon. J'ai aucune idée de ce que font les Italiens. Hein. Est-ce qu'ils essaient de reprendre leur colonie ou pas? Est-ce qu'ils essaient de repousser les invasions? On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, nous, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de moderniser notre armée. C'est d'avoir tous nos tanks moyens. On les aura tous, de toute façon, pour le début de la guerre, normalement. Donc l'armée là est quasiment déjà prête. C'est vrai qu'après on peut dire j'ai gaspillé de l'XP, si j'avais fait ça avant, ils auraient... la campagne de Finlande aurait apporté de l'XP au-dessus du niveau d'entraînement, donc ça aurait été plus rentable, c'est vrai. Je le nie pas, hein, c'est totalement vrai, hein, cette histoire-là. Après, Empire ça m'a capitulé, d'accord. Je vais vous apprendre un truc, si vous cliquez ici, vous voyez en fait l'armement qu'a chacun des armées. Ici on voit qu'on a l'armement, bon, on a récupéré de nos alliés, hein. C'est comme ça qu'on peut savoir l'armement qu'ils ont et s'ils sont modernisés ou pas. Par exemple, pour les blindés. Par exemple, pour les blindés, parfois j'ai trois variantes de chars moyens, parfois dans le... j'ai trois variantes de chars différents pour les technologies blindées. De chars moyens. Bon, si Hermann pourrait rapidement finir sur Paris, ça m'arrangerait quoi. Ils voudront jamais que je renvoie de toute façon une division. Oui, je serais prêt à envoyer des divisions et des Allemands juste pour finir cette guerre, quoi. Parce que j'en ai marre qu'ils patinent pour qu'ils déclarent la guerre, quoi. Je prends encore à attendre un peu, mais si j'attendrai pas éternellement, quoi. Shangxing, ça, c'est populaire de Chine. On verra bien de toute façon, gars, on va entraîner nos armées. Ça va nous faire de XP. On va faire des recherches un peu et on verra bien. Mais je douterais qu'il me déclare la guerre maintenant, quoi. Après, mon avantage, c'est que plus j'attends, plus ça me... On va peut-être la préparer à l'annexion du... Voilà, on va faire ça, on va préparer l'annexion de la Turquie. Normalement, la Turquie rejoindrait l'Axe, donc directement j'ai carré la guerre à l'Axe. Mais vu qu'il est non aligné, il ne devrait pas me poser de problème, normalement. En plus, l'armée est en train de s'entraîner. Donc entraînement, bon, l'avantage d'entraînement c'est que c'est pas trop fumé, vous pouvez pas monter au dernier niveau, faut quand même se battre pour avoir le dernier. Et plus vos brigades sont grandes, plus ça prendra du temps pour les...
pour qu'ils aient le niveau en fait. Ils veulent vraiment écraser à l'Imaginot. Ce qui est impressionnant. Et... enfin, moi, quand je joue allemand, en tout cas, à l'Imaginot, je laisse des armées, une armée en face pour éviter qu'ils m'attaquent. Sur la ligne, l'ancienne ligne Silfluk de la Première Guerre mondiale. Et à côté, je balance plein de divisions mobiles pour prendre Paris, Brest, et j'envahis rapidement quoi, la France, quoi. Peut-être que je... bon, après, ce NIA, faut pas être étonné, quoi. Après, oui, ils ont parlé de l'invasion du Danemark, ils avancent pas au Danemark. Moi, je vous le dis, c'est un mauvais... ils sont pas doués. Là-bas. Encore. Parce que bon, après il y aurait l'armée du maréchal que je pourrais peut-être faire ça. Mais bon, ça attendra encore un peu. J'ai bientôt l'intégralité de mes nouveaux chasseurs qui sont arrivés, ce qui est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'une fois que tous mes chasseurs seront équipés des... enfin, de la nouvelle technologie, ils auront maintenant, bah, eux ils ont déjà une... ils peuvent déjà faire à portée que j'aurais demandé. Voilà, presque quasiment parfait. Ici quoi, Pologne. Ouais, un peu moins. Quasiment 100%. Ici quasiment 100% aussi, donc au final, voilà. Excusez-moi. De toute façon, Joseph Staline ne remet en cause la souveraineté turque. Là, il y a la Turquie tombera sous le joug du communiste. Cher moyen. Enfin, c'est premier. Cher léger. Hop. Voilà. Et maintenant, on remplace petit à petit les chars légers par les chars moyens. Je perds un peu de vitesse, mais les chars moyens, en fait... de toute façon, quand on arrivera aux chars, les chars légers, ils sont juste ça pour servir un peu un rôle de reconnaissance. Et des armées modernes, de toute façon, les chars... enfin, dans la Seconde Guerre mondiale, les chars légers étaient utilisés comme véhicule de reconnaissance, globalement. Bon, on va faire les deux là. Ici, on va débloquer... voilà, ça. Le gain d'expérience de l'armée de terre, je sais pas si c'est l'expérience terrestre ou c'est l'expérience des unités en fait. Nous sommes en 41. En 41, on va développer les nouveaux. 40, voilà. On va développer la nouvelle classe de sous-marins. Et on va regarder un peu ce qu'il y a en 41. Les tanks, bah, j'ai tellement d'avance sur les tanks que c'est bon. On va faire recherche là, et on se... faut que je fasse gaffe à ça. J'ai peut-être faire un petit tech rush là-dessus. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Les technologies des roquettes et des fusées utilisent le même bonus de 50%. Le problème, c'est que si je bouffe... les recherches des roquettes, de manière générale, sont assez rapides. Celles des fusées, beaucoup moins. J'aimerais éviter de trop perdre en temps de recherche et essayer de maximiser, en gros, la recherche. On va tout de suite lancer ça. Je vais maximiser, en gros, les temps de recherche. De cette manière-là. Ça m'évitera d'avoir du gaspillage, en fait. Voilà, la guerre au moins est une motivation suffisante. Allez Lax, finis cette guerre. Ils me rendent fou. Déclare-moi la guerre, je m'en fiche, mais fais quelque chose, j'en ai marre de t'attendre.
Bon, j'ai deux bonus de 50%, ça me dérange d'utiliser deux bonus de 50%, quoi. Bon, on va faire ça déjà. Défense en profondeur, je l'ai bientôt. Marine, niveau 2, je les ai bientôt. Plus 10%, bah, j'aurais normalement pour économiser peut-être un transport là-dedans. Pétrole, voilà, j'en ai vu. Défendre en profondeur, c'est fait. Et voilà, maintenant on va partir sur ce que je vous avais promis. Donc on va partir sur les opérations en profondeur. Donc une URSS plutôt mobile. De toute façon, c'est ce qu'on avait prévu. Hein. Et une fois qu'on aura de nouveaux sous-marins, on sera une nouvelle productivité de sous-marins. Ah, si après, si Litari arrive à percer au niveau là, ce serait pas mal non plus. Mais bon. J'espère tellement depuis un moment que... 48%. L'armée là est bonne. L'armée là, il va mettre encore du temps. Marine 2. Parfait, on les a. Mais il n'y a presque rien en fait. En fait, en 41, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment tout fait. Parce que j'ai déjà les chars en 41. Bon, on va. Ah, on va faire ça. Hein. On va faire des petits bonus quoi. On va pas dire non quoi. Non mais là voilà, on est plus fort. Et je pense que ça m'a surtout du fait que je suis plus entraîné qu'eux en fait. Bon aussi que j'ai un équipement aussi ultra avancé. Ce qui n'est peut-être pas... Ah bah oui, il a terminé. Voilà, fini. Pas que germano-soviétique terminé. S'il faut, j'envahis la Chine. Sincèrement, s'il faut, j'envahis la Chine. Juste pour terminer cette guerre. Enfin bon, on verra bien. La Chine, c'est un autre problème et on avisera bien au moment venu. Cette armée est presque prête. Quoi. C'est impressionnant quand même comme mes armées se préparent à une vitesse. Bon, en manquant, c'est toujours pareil, c'est toujours le même article de presse, ils changent juste les noms des pays, c'est toujours pareil quoi. En gros, ils critiquent, etc. Ils s'est justifié pourquoi on veut refaire la guerre, etc. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Hitler, toi? D'accord. Ils sont en train de dégarnir énormément de front là, quand même. Ce qui est génial. Il a quasiment donné l'autorité sur toutes ses troupes à l'Allemagne. Voilà. Il a donné plein de corps expéditionnaires à l'Allemagne. Bon, je crois que j'ai plus de divisions que l'Allemagne. Oh, j'en ai autant, voilà. C'est-à-dire que j'ai bien géré. Après, faut faire gaffe. C'est pas parce qu'on a... Moi, je suis le type de joueur à peut-être avoir moins de divisions que la moyenne des personnes. Mais globalement, les divisions, j'essaie toujours de les remplir au maximum, en fait, au niveau là. C'est ça ma force et ma faiblesse. Ma division marine ont d'ailleurs été préparées là-haut. Voilà, un nouveau général. Bon,
Autant mettre lui, s'il a déjà Roublard, autant mettre quelqu'un qui a déjà une compétence, quoi. Quoique, Commando c'est mieux. Il est plus chiant à voir, celui-là. Alors, toi, tu vas aller là-bas. Parce que je doute d'avoir une campagne de débarquement ici. Couleur, ça deviendra du bleu foncé, si tu es un truc maritime. Je veux que tu ailles ici, que tu me prépares. Voilà. Je scinde le groupe en deux, la moitié ici. Ah, j'ai peut-être pas des trucs assez gros pour eux. Ouais, je peux pas mettre plus, ok. D'accord. Je sais c'est quoi qui limite, ne vous inquiétez pas. Ouais, je peux pas en faire deux à la fois, quoi. Donc ici, je voulais refaire... Ben... N'inquiétez pas les cartoucheurs, on va vite en avoir besoin beaucoup. Les orgues de Staline. Voilà. Ah j'en ai déjà... j'en ai fait 5. Donc ça c'est simple, ça va en haut, ça va en haut. Voilà. Pour mettre ça à fond. Voilà. Donc là il me manque une recherche que je ferai tout de suite après, c'est ça. C'est, j'ai totalement oublié de préparer la recherche de PNJ débarquement, j'ai oublié de faire l'autre niveau en fait. C'est pour ça que je pourrais en mettre aussi peu. Là, on va mettre. Armée de débarquement. Voilà. Culte de l'aviation. Hop, hop. Voilà. Là, je suis curieux. Ici, ce qu'on. Ah, les gars, j'en ai assez maintenant, non? J'ai déjà tout remplacé. J'ai déjà tout remplacé. Et si c'est bien, vous cliquez ici, vous pouvez savoir en fait ce que vous avez, si vous voyez le nombre de lacs que vous avez, les anciennes variantes, etc. C'est toujours intéressant de toute façon de regarder ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. En fait, il gaspille plein de troupes pour essayer de prendre une province. Pas importante du tout, quoi. C'est ça qui est aberrant. Voilà, c'est dur. Ouais, vous sortez pas bien plus vite comme ça. Toc, 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 allez hop. Faut pas sous-estimer quand même ce bonus d'attaque quand vous débarquez. Parce que... sinon vous risquez vraiment d'avoir énormément de mal à prendre les plages, hein, croyez-moi. Je commence maintenant un peu mieux à maîtriser les débarquements amphibies, donc maintenant je commence à choper le coup de main. Faut que je m'entraîne encore un peu, mais ça n'aurait que faire. Mais les troupes en fait marines, y a rien de mieux quoi. C'est en fait avec le Japon, c'est impératif de prendre les îles, de les avoir. Et encore, même avec ça, parfois vous avez des difficultés pour les prendre. C'est
Voilà. Nous, on a une guerre, je crois, maintenant. Oh. Oh, le méchant. Il m'a tout de suite lancé un assaut. Faut que je me méfie, par contre, à ce qu'il me déborde pas. Voilà, les troupes là tiennent, maintenant. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus, que mes troupes ont été moins bien préparées que ce que j'aurais aimé. Voilà. De toute façon, on a Konev. Konev est un de nos meilleurs généraux, de toute façon, avec... De base, c'est l'un des meilleurs généraux avec Zhukov. Donc ici on va déployer 8 lags. Ici on va en redéployer 200. Et ici on va en déployer 400. Toc toc toc. Voilà, j'ai bien plus de chasseurs qu'eux, vous voyez, ils n'ont que 44. Ça va très vite être exterminé, tous ces chasseurs, croyez-moi. Maintenant, j'attends juste que mes divisions se mettent en place et je pourrais normalement les repousser. Voilà, je les repousse déjà. Alors, l'avantage d'avoir des avions en fait en survol, même si c'est que des chasseurs, c'est que la défense en fait adverse ne pourra pas se mettre en place. Je m'explique. D'ailleurs, il me faut ça. L'avantage de router ça, c'est qu'en fait, dans les débarquements amphibies, vous aurez des bonus de mouvement et d'une meilleure défense. Enfin, sauf pour les débarquements amphibies, mais pour tout ce qui traversait les lions amphibies. Donc lui, on peut cesser l'entraînement. Voilà, là, on peut lancer l'offensive. L'avantage des chasseurs, c'est simple. Ah, on va juste lire ça. Supériorité aérienne, il est difficile d'organiser une défense efficace sur ce qu'ennemi bénéficie de la supériorité aérienne. En gros, l'ennemi ne peut pas se retrancher efficacement à cause de ça. Or, sont ceux qui sont autant de risques et courageux pilotes de l'armée rouge de l'air soviétique. Grigory Risk Gourkov, pilote hors pair connu sous le matricule Hordeball, a fait fort impression en rentrant en vie en pilotant son GAG 3 à la perfection lors d'une récente mission au-dessus de l'Asie mineure. Largement contribué, l'illustration parfaite. Donc c'est quelle escadrille? C'est quelle escadrille d'après vous? Taxi? Taxi? Non, c'est votre, ok. Et c'est un... standard. Voilà. Donc ici, rajouter les pénis du débarquement. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon armée n'était pas assez prête pour tenir. Je les avais entraînés, j'ai quasiment déclaré la guerre tout de suite après, ce qui a été une erreur. Une grosse erreur stratégique de ma part. Parce que si mes troupes avaient été retranchées, j'aurais mieux tenu le choc et ça serait mieux passé. Ah, j'ai perdu l'expérience, qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes en se tenant. Ouais, c'est normal, quoi. Banzai! Ah non, merde, on n'est pas à bonne faction. L'artillerie Katusha, normalement, va être produit en grand nombre là. Les canons anti-charge, j'ai oublié de mettre la nouvelle variante d'ailleurs, dans l'épisode précédent. Ou dans celui-ci, je sais pas c'est dans lequel on a débloqué. Voilà. Mozou, on s'en fiche. On va rajouter la brigade d'artillerie.
Ah. Mes troupes maritimes seront fin prêtes. Non, ici. Ici. Bon, ils sont plus à s'entraîner, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, notre cher Konev va maintenant se faire gamin, va devenir mon... Ouais, il va se faire gamin dans le désert, c'est bien ça. En fait, ça serait bien qu'ils fassent quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'ils... Qu'ils font rien, quoi. Ça me donne envie de trahir juste ce traité, juste pour les dégommer, quoi. Non, ça, c'est l'armée de Coca, c'est celle-ci. Enfin, bon, on n'a pas le choix, hein. Politique. Dissimulation, c'est pas bête. Soutien adverse, moins 10% de soutien adverse. Et... On va arrêter tous nos assauts, le temps de nous réorganiser. Montagnard. En tout cas, la guerre contre la Turquie s'annonce plutôt facile, hein, on va pas se mentir. Ravation est quasiment inexistante. Ils ont 45 avions contre toute mon armée, donc ça risque d'être compliqué pour eux. Hein. De plus, leur armée terrestre est bien plus fragile que la mienne. Bon, ils ont peut-être plus de troupes que moi. Mes troupes sont, je pense, largement mieux équipées que les siennes. La dissuasion est un meilleur moyen de se faire, de se protéger. Non. Voilà, on peut relancer la vague. Donc la guerre va se continuer tranquillement, les recherches vont continuer tranquillement aussi, on aura bientôt de quoi développer nos nouveaux sous-marins à place de mettre des convois en plus. L'Allemagne, on sait pas ce qu'elle nous prépare, donc il faut qu'on se méfie. L'Italie aussi, il faut qu'on se méfie. Le Japon, bon ben, le Japon est... Le Japon se fait repousser malheureusement, mais on voit qu'il y a des renforts qui sont arrivés au Siam du Reich allemand, donc... On suppose une opération de grande envergure en Chine. Même si c'est possible que ça soit faux. En tout cas, on avisera et peut-être qu'on annexera la Chine. On fera une guerre contre la Chine. Quoi qu'il en soit, on avisera tout ça dans le prochain épisode. Je vais juste faire un truc avant. Ça ne voudrait pas dire que j'ai pas fait en face de vous. C'est de terminer cette transformation en char moyen. Voilà, ça c'est fait. Donc je vous dis à une prochaine fois d'ici la porte ou bien. Et à ciao tout le monde. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. J'espère en tout cas que cette série vous plaît avec l'Union Soviétique. Les prochains épisodes, ça risque de s'accélérer de plus en plus au niveau de la guerre. Je vous rassure. Là, on devrait arriver vers la fin de nos périodes de paix, vraiment partir dans des guerres l'une à la suite de l'autre. Notamment contre le Reich allemand. Allez, à une prochaine fois. Portez-vous bien et à ciao tout le monde.